Silence, on tourne. Un homme qui aimait le pain en achetait un tous les matins, bien qu'un jour il fût partagé, car un demi-pain lui restait. Et alors, se ravisa-t-il. Et prenant son automobile, il partit chez le boulanger, rentra et rangea son pain frais. Sur ce, il alla travailler jusqu'à la tombée de la nuit. À 20 h, il rentrait chez lui, et la croûte, il voulait casser. Il mangea, pour ne rien gâcher, le demi-pain mou qui restait. Le lendemain, le pain rangé, bien emballé, n'était plus frais. Il en mangea une moitié, puis partit chez le boulanger. Et alors, se ravisa-t-il, au lieu de prendre une moitié, il acheta un pain entier. En songeant, on ne sait jamais. Sur ce, il alla travailler jusqu'à la tombée de la nuit. À 20 h, il était précis. La croûte, il s'en alla casser et mangea plutôt que de jeter le demi-pain mou qui restait. Puisqu'à nouveau le pain rangé, le lendemain n'était plus frais et qu'il en mangea la moitié car il ne voulait rien changer. Vu qu'il ne voulait rien jeter, ni n'acheter qu'une moitié, et qu'il mangeait un pain par jour, sauf une fois, sinon toujours. Lui qui aimait tellement le pain et pour rien n'en aurait manqué, bien qu'ayant toujours un pain frais, mangea du pain mou des années. Et des années, etc. Jusqu'au trépas.